tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé à la placette, tu m'as dit vous rentrez de la team. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Nasdas, l'humoriste, qui va aller voter. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé à la placette, tu m'as dit vous rentrez de la team Nasdas. Moi, t'as fait Marseille-Perpignan? Oui. Pour intégrer la team Nasdas? Oui, oui, oui. Et t'es venu en trottinette? Oui. Non, mais t'es prêt? Bien sûr, je suis venu de Marseille jusqu'à Perpignan. Et attends. 4BDV, il va être jaloux. Mais un petit comme ça, ça fait bien. Voilà, 4BDV, il va être très jaloux parce que c'est lui le petit de la team. Non, il va pas être jaloux, ouais, il va venir, il va être là à côté de moi. Comment ça, là? Ah, Germain, il est plus petit que toi, tu crois? Attends, on va appeler 4BDV. Ah, ce jeu, il va se marier à 15 ans. Mais voilà. Ce que j'aime bien avec les jeunes de mon quartier, c'est qu'ils se posent n'importe où. Regardez, c'est posé dans quoi? Ça, ça te sert de chaise. La chaîne. La vraie. Ce que j'aime bien avec les jeunes de mon quartier, c'est qu'ils se posent n'importe où. Regardez, t'acceptes qu'un jour, on va en prendre un survêt Lacoste. Ça y est, les petits pompons et tout comme ça de femmes, non, juste non, une journée. Non, une journée, t'es habillé racaille. Je peux pas. Ah oh là, oh là, 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 là. Hey. Attends, les gars. Hey, juste pour vous dire, 4BDV, il est écouté, voilà. Oh. Hey, elle a chété. Demain, c'est un jour très important. C'est les votes. Là, c'est simple, on va faire un sondage. Demain, tu votes pour qui? Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Mélenchon, hein? Je vote blanc. Je vais voter pour Mélenchon. Éric Zemmour. Mélenchon. Mélenchon, aussi. Mélenchon, bien sûr. Mélenchon, bien sûr. Hein. Mélenchon, merci. C'est qui c'est Mélenchon? Ouais. Mélenchon. Macron. Qui se drogue au quartier? Déjà. Même Michel, il fait des photos avec les voleurs. T'as percé Michel? Non, non. Tu viens d'où? Du 45. Du 45, c'est où le 45? Non. Même Michel. J'étais obligé la chaîne. Voilà les mêmes. La boule dans Fort Boyard, elle passe partout dans Fort Boyard. Là, vous êtes. J'étais obligé la chaîne. Voilà les mêmes. La boule dans Fort Boyard, elle passe partout. Pourquoi il y a que des gens bizarres? Stop. Pourquoi? Qui t'a dit de monter avec ce monsieur? Ah, c'est la street maintenant. Il y a pas de street, vas-y descends. Voilà, descends. Voilà, pourquoi il y a que des gens bizarres? Stop. T'es bien là? Ouais. Voilà, faut te porter, faut tout faire, voilà. Et dites-vous, la chaîne, je le connaissais même pas. Ouais. T'es bien là? Ouais. Voilà. Tu le veuilles ou non, il va dormir avec toi. Non. Avec toi, moi il dort pas avec moi, soir. Hein. Mais c'est bon, il prend pas beaucoup de place, voilà. Vas-y, lève-toi. Oh là, oh, c'est un invité, voilà, traite-le bien. Vas-y. C'est bon, il reste juste avec toi, voilà. 4h17 du matin, Tourcoing essaye de faire une machine. Là, on a Tounsi, là, on a Adel, t'es en train de nous faire un putain de plat de la Keren. De la Keren. Oh ouais. Je vais vous montrer comment ça se passe chez nous à 4h20 du matin, enchanté. Là, on a qui? Salut tout le monde! Ça va ou quoi? Vous allez bien? Putain, autant de garçons pour une seule fille! Je rigole. Il est 8h30 du matin à la chaîne. On a fait nuit blanche, on n'a pas encore dormi. Direction bureau de vote, on va aller voter là. Allez, votez ma gueule. Il est 8h30 du matin à la chaîne. On a fait nuit blanche, on n'a pas encore dormi. Direction bureau de vote. On a besoin que de la pièce d'identité pour aller voter. Donc espèce de petit fourre, lève-toi de ton lit et va voter. C'est important, allez voter les gars. Voilà. Et on vote pour qui? Mélenchon. On a besoin que de la pièce d'identité pour aller voter. Je sais qu'il est tôt le matin à la chaîne, mais je suis obligé de vous le dire. On est 76 000 dans ma squad. Ce Romada, c'est juste un truc de malade. Et aujourd'hui, en plus de ça, il y a la première personne qui va être désignée pour gagner une paire d'AirPods. Et une autre qui va gagner une carte cadeau de 100 euros. L'acheter, oh là, je suis fier de vous. Et tous ceux qui ne connaissent pas Romada, écoutez bien. On est en 2022. C'est fini les paris sportifs où tu perds de l'argent, où tu rentres en dépression, etc. Tu peux télécharger Romada, t'amuser avec tes amis, parier, même en soirée, l'acheter. Si t'es bon en pronostic, tu peux chambrer tes potes, faire un classement avec tes potes. Moi, ce que je te propose, HNT, c'est que tu sois up, tu vas voir Romada, régale-toi, amuse-toi,
Eh, c'est Nasdaq qui te le conseille, mon pote. C'est gratuit, sans engagement d'argent. HNT, regardez, vous voyez bien ça? Eh ben, on a son sosie au quartier. Quand ils reviendront vers toi, regardez-moi ça. N'oublie jamais comment ils sont partis. Regardez-moi ça, la HNT. Regardez-moi ça, ça fait des courses et regardez où ça remonte. Regardez où ça remonte. Normalux, ton cousin. Allez, hop, et ça va démarrer. Regardez, la vie de ma mère, c'est Saint-Jacques, c'est le barrio. Hop là, et regardez, il va partir. Chétez, je vous en supplie, là il y a Mandji. Regardez la laisse de son chien. C'est quoi, c'est quoi? Une cravate. C'est des cravates, on a que c'est des cravates. Vous allez parfois au quartier Saint-Jacques? Très rarement. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué là-bas, ça craint. Vous allez parfois au quartier Saint-Jacques? Très rarement. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué là-bas, ça craint. Vous allez parfois au quartier Saint-Jacques. Donc voilà, c'était la story de Nasdaq. Donc pour le vote, je confirme qu'il suffit d'avoir une carte d'identité, mais il faut avoir été inscrit aux listes électorales au préalable. Voilà. À l'époque, il fallait s'inscrire l'année d'avant, avant décembre. Donc, faut être inscrit aux listes électorales au préalable avant de pouvoir voter. Et ça y est, Nasdaq, il a pris un nain. Et vous savez quoi? Ça va devenir un inconnu. Un inconnu, lol. Ça, c'est ma petite blague. Ma petite contribution. Ça va être un inconnu. Donc voilà, c'était la story de la team Nasdaq. Voilà, avec le nouveau chinois aussi. Le nouveau chinois qui a fait la coupe moite-moite. Voilà, toujours en période de ramadan. Et là, en période électorale. Donc on va croiser les doigts, on va voir les résultats. Donc voilà, la période électorale. Donc on va dire, on préfère tout, mais tout, sauf Zemmour. Zemmour et Marine Le Pen. Et encore, entre Marine Le Pen et Zemmour, je dirais la moins pire, c'est Le Pen. Et le pire, c'est Zemmour. Mais apparemment, d'après les sondages, voilà. À savoir que les dernières élections, les sondages ne s'étaient pas trompés. Dans les dernières élections. Les sondages se trompaient avant, dans les anciennes élections, ils se trompaient beaucoup plus. Mais là, les sondages sont beaucoup plus fiables depuis plusieurs élections. Depuis le second tour de Jean-Marie Le Pen contre Chirac. Après ça, donc il ne devrait pas faire plus de 9-10%. On ne devrait pas avoir Zemmour au deuxième tour. Par contre, on peut avoir un deuxième tour Marine Le Pen contre Macron. Ou Marine Le Pen contre Mélenchon. Ou Marine Le Pen contre Pécresse. C'est fort possible. Ou un Pécresse... Un Pécresse, comment ça s'appelle? À l'ancienne, un Pécresse Macron ou un Pécresse Mélenchon ou un Mélenchon Macron. À l'ancienne, tu vois. Un second tour sans stress. Mais là, bon, s'il y a Marine Le Pen ou Zemmour qui passe au second tour, Zemmour, ça m'étonnerait, c'est clair. Mais s'il y a Le Pen qui passe au second tour, on risque d'avoir un second tour stressant, on va dire. Voilà. Donc, Nasdaq, lui, est humoriste, influenceur au quartier de Saint-Jacques avec toute sa team composée de Billy, Tunsi, Samos, 4BDV, etc. Donc, c'est des humoristes du quartier de Saint-Jacques à Perpignan. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, pour qui vous allez voter. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasactu, premier sur les actus. Vous allez parfois au quartier Saint-Jacques? Très rarement. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué là-bas, ça craint.